Gloire à Dieu. Merci pour ce merveilleux moment de prière, de louange et d'adoration. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Qui sont ceux qui étaient là le dimanche dernier? Ok. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Le Seigneur m'avait donné un message et je crois que ce message, je vais le développer dans la suite. Il parle des signes de la visitation divine. Nous avons vu que ces signes, dans le contexte que nous l'avons pris, ne représentaient pas des événements, mais représentaient plutôt des hommes que Dieu est en train de chercher, surtout dans ces temps qui sont les derniers, pour briller comme des flambeaux. Et ce soir, j'aimerais nous parler plutôt des signes, toujours, mais sous forme d'événements. Et nous allons toucher un peu à la fin des temps. Amen. Notre thème, c'est la parole prophétique face à l'actualité. La parole prophétique face à l'actualité. Amen. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 46, le verset 10. Soyez très attentifs et nous sommes en enseignement. J'espère que tout le monde a son cahier. Tout le monde a son cahier, tout le monde a sa Bible. Nous ne sommes pas venus en spectateurs, mais nous sommes venus en acteurs. Amen. Gloire à Dieu. Mardi, c'est notre culte d'enseignement. Ésaïe, chapitre 46, le verset 10. Nous allons prendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps passés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et il dit... Je dis, mes arrêts subsisteront et que j'exécuterai toute ma volonté. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, au chapitre 1er. Nous lisons le verset 19. Mais vous qui êtes au service, l'accueil, asseyez-vous, notez. On ne peut pas servir à tout moment. À tout moment, il faut aussi apprendre. Nous allons aider les personnes à s'installer tranquillement. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On peut même aller jusqu'au verset 21. Il dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous voulons parler de la parole prophétique face à l'actualité. Nous savons que en ce qui concerne la parole prophétique, nous allons essayer de définir tout à l'heure c'est quoi la parole prophétique. Et pour nous qui sommes arrivés, ou nous qui sommes à la fin de temps, ce message, la parole prophétique est pour nous un guide pour savoir nous positionner par rapport au temps et nous savoir, nous aider également à pouvoir appréhender l'avenir. Il y a de plus en plus de chrétiens qui sortent la volonté de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'aboutissement des choses, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Et avec ce qui se passe autour de nous, des choses qui ont été prédites dans la parole de Dieu, la plupart d'entre nous, je parle des chrétiens dans l'ensemble, nous tombons dans les inquiétudes, nous tombons dans des questionnements, voire l'incrédulité. Pourquoi ? Parce que nous sous-estimons ou nous ne prenons pas
souvent au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible nous dit que la fin des temps, ça sera est caractérisée par des temps très difficiles. Des temps difficiles, des temps de troubles, des temps qui sont très compliqués. Et si nous ne sommes pas enracinés, notre foi, notre vie chrétienne, notre ministère, nos familles ne sont pas basées et enracinées en Jésus-Christ et dans sa parole puissante et vivante, nous ne pouvons pas arriver jusqu'au bout. Les vents seront de plus en plus violents. Les vents seront de plus en plus forts. Ça va souffler de partout. Il est important que nous soyons enracinés. Et le but de la parole prophétique, c'est d'aider, nous aider ensemble, d'être enracinés en Jésus-Christ et dans sa parole. Le premier texte que nous avons évoqué, nous voyons Dieu qui, avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, annonce déjà des choses qui vont arriver. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être surpris par les événements. Pourquoi? Parce que tout est dans la Bible, tout est dans la parole de Dieu. Et il suffit que nous puissions la lire, la méditer quotidiennement et savoir ce qui va arriver pour ne pas passer à côté. Il y a trois choses, il y a trois horloges qui concernent la fin des temps. Trois horloges. Je vois, il y en a qui n'écrivent pas. Pourquoi? Il faut écrire, mon frère. Il faut écrire. Je surveille tout le monde. Hein? Amen. Je ne veux pas qu'on soit une église de show. On aime bien les prédications dynamiques. Et souvent, après, quand c'est comme ça, on sort, on n'a rien. Non. J'aime être équilibré. J'aime la puissance, j'aime aussi la parole. Amen. Amen, amen. Très important. Permettez-moi de vous déranger un peu. Voilà. Prenez de quoi noter, écrivez. Très important. Je disais qu'il y a trois horloges qui parlent du temps que Dieu nous a laissé pour savoir dans quel temps nous situer et comment nous situer par rapport au temps. Un jour, dans Matthieu chapitre 16, Jésus va parler aux pharisiens. Il va dire aux pharisiens ceci. Il dira, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner le signe des temps. Prenons Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous parlons des signes. On a vu dimanche qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de la visitation parce qu'ils n'ont pas reconnu le signe de la visitation. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. Si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant ces choses se sont cachées à tes yeux. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas saisi le temps de ta visitation. Donc, il est important de comprendre le temps pour aussi saisir son temps de la visitation. Alléluia. Et par rapport au signe de temps, nous avons la parole prophétique qui est pour nous comme une horloge, qui est pour nous comme un signal pour savoir nous positionner dans le temps. Les apôtres ont beaucoup prêché sur la fin des temps. Pourquoi? C'était pour préparer les chrétiens à affronter les temps difficiles. Et vous allez voir que les premiers chrétiens étaient forts. Les premiers chrétiens, ils avaient la foi. La plupart des premiers chrétiens, la persécution ne les faisait pas peur. Ils étaient même contents de passer par des moments de persécution, de souffrance. La plupart des chrétiens du premier siècle ont accepté toutes sortes de souffrances liées à leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Mais si nous ne parlons que de la bénédiction, 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 le jour où tu n'auras pas la bénédiction, tu penseras que Dieu t'a abandonné. Et pour certains, ils pensent que la bénédiction, c'est le signe de l'approbation divine. C'est faux. Alléluia. Il y a des personnes
qui vont certainement servir Dieu toute leur vie, peut-être ne jamais devenir milliardaire, millionnaire. Donc si on ne prêche pas un évangile équilibré, on amène l'Église à un déséquilibre et les chrétiens qui ne sont pas matures et qui, les chrétiens qui vont vivre dans les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est parce que je manque, parce que je n'ai pas, parce que je manque ceci, parce que je manque cela, je commence à m'inquiéter. Et les inquiétudes tuent la foi. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Et Jésus dit aux pharisiens, quand vous regardez le ciel, vous pouvez dire le temps qu'il va faire. Avant de sortir ce matin, vous regardez le ciel, c'est un peu sombre, c'est un peu gris. Il va certainement pleuvoir. Mais vous savez discerner l'aspect du ciel. La météo, vous savez bien prévoir des choses. Mais pourquoi par rapport au signe de temps, vous ne pouvez pas le discerner? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le signe de la visitation est au milieu de vous, mais vous ne le voyez pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 46, j'annonce avant, longtemps en avance, des choses qui vont arriver. Ce qui veut dire que si nous prenons le temps de lire la Bible, de lire la prophétie, nous saurons des choses que Dieu avait annoncées d'avance, qui vont arriver dans la suite des temps. C'est ce que la Bible appelle la parole prophétique. Il dit, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, des choses à venir, et longtemps en avance, ce qui n'est pas encore accompli. Cela veut dire que Dieu et sa parole sont dignes de confiance. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole prophétique? Notez. La parole prophétique, c'est le message de Dieu aux hommes concernant leur avenir. La parole prophétique, c'est le message de Dieu aux hommes concernant leur avenir. Et quand nous parlons de la prophétie c'est quoi? La prophétie n'est rien d'autre qu'une révélation de Dieu concernant des choses qui vont se réaliser dans le futur. La prophétie, c'est une révélation de Dieu concernant des choses qui vont se passer ou se réaliser dans le futur. Parmi les dons de révélation, vous en avez plusieurs. Vous avez ce que la Bible appelle le don de la parole de connaissance. C'est un don qui révèle des choses cachées, soit dans le passé, soit dans le présent. La parole de connaissance ne concerne jamais le futur. La révélation qui concerne le futur, ça s'appelle la prophétie. Et j'aimerais nous dire, le diable peut manifester la parole de connaissance corrompue, mais il ne peut jamais manifester la prophétie. Parce que seul Dieu connaît l'avenir. Tu n'as pas bien compris. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses grandes. C'est des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Mais qui concernent ton avenir, Dieu l'a caché. Dieu peut te le révéler par la prophétie. C'est pourquoi vous allez voir que même sur le lieu de la naissance du Messie, ça avait été indiqué à Michée. Longtemps, 8 siècles avant, on annonce déjà le lieu où le Messie devait naître. Il n'y a que Dieu qui peut dire des choses comme ça. Amen. Avec une telle précision. Alléluia. Ça, c'est la parole prophétique. Alors, la parole prophétique est appelée aussi la prophétie biblique. Quand vous entendez parler de la prophétie biblique, c'est la parole prophétique. La parole prophétique est appelée aussi la prophétie biblique. En gros, ce sont les écrits des prophètes. Les écrits des prophètes qui nous révèle la pensée de Dieu ainsi que sa volonté. Ce sont les écrits des prophètes qui nous révèlent la pensée de Dieu ainsi que sa volonté. Donc quand on lit la parole prophétique, ça a été écrit par les prophètes, des hommes que Dieu a utilisés, il les a inspirés et sous l'inspiration de l'Esprit, ils ont écrit, ils nous ont légué cela. Et ces écrits prophétiques nous révèlent le plan de Dieu ainsi que sa volonté. Amen. Dans la parole prophétique, nous pouvons voir le programme de Dieu ou en gros, le calendrier de Dieu. Nous pouvons savoir par exemple, pour quelqu'un qui connaît la parole prophétique,
il peut se dire que par rapport au temps, nous sommes dans la dispensation ou dans l'âge qu'on appelle la grâce. Ou encore l'âge de temps, la dispensation de l'esprit, qui est différent du temps ou de l'âge de la promesse et de la loi. Et le temps que nous attendons à venir, qui va bientôt se manifester, c'est ce que la Bible appelle l'âge d'or, ou encore le millénium, où Christ va venir régner sur la terre, où il y aura la paix dans tout le monde. Le monde entier vivra dans la paix. Les choses que l'Union, je dirais, l'ONU est en train de rechercher, l'Union africaine, toutes ces choses, il n'y aura jamais de paix sans le prince de paix. Alors quand vous voyez certaines manifestations ici et là, esclavagisme et ceci, cela, il faut comprendre que tant que le prince de paix n'est pas venu, ces choses continueront. Donc au lieu de faire toutes ces manifestations, venez plutôt à Jésus pour recevoir la véritable vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand on ne maîtrise pas la prophétie, on est ballotté. Et les gens qui dirigent les médias, ils savent comment distraire les gens. Les choses qui ont toujours été, ils le balancent comme ça, et ça crée le maître dans le monde entier. Et on nous fait passer à côté de l'essentiel. Regardez, à chaque fois, le but du diable, c'est qu'on ne se concentre jamais sur Jésus. Oh, la cause de l'homme noir. Oui, c'est bien. Et Jésus alors? Quand est-ce qu'on parlera de la cause de Jésus? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Frère, le but de tout, c'est Christ. Vous verrez même, au temps de Paul, il y a eu des esclaves. Mais Paul parle à ses esclaves, il dit, parce que vous êtes en Jésus, vous êtes affranchis. Donc le plus important, ce n'est pas l'esclavage sur le plan charnel, mais ces esclaves qui parlent, Dieu parle de... D'ailleurs, tout le monde qui n'a pas Jésus, ils sont esclaves. Parlons maintenant du véritable esclavage, c'est quoi? Ceux qui sont païens. Et regardez, même les chrétiens sont emballés dans des choses. Et nous sommes dirigés, téléguidés par des gens qui veulent vous faire gober ce qu'ils veulent. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour ça qu'il faut comprendre la prophétie biblique, pour ne pas être distrait. Amen. Autre chose, d'après la Bible, la prophétie biblique est aussi une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, qui nous permet de voir notre avenir. À l'époque, quand on parlait des lampes, la lampe n'était pas comme la lumière ici, où quand c'est allumé, vous pouvez voir clair. À l'époque, c'était des lampes, vous voyez, des lampes qui marchaient avec de l'huile. Vous voyez, dans les villages, par exemple, dans les coins reculés, on utilise la lampe avec de l'huile, tout ça. D'accord? C'est cette lampe-là. Et dans des ténèbres obscures, très sombres, cette lampe-là, vous voyez, mais vous ne pouvez pas voir loin. Vous ne voyez pas clair. C'est vraiment sombre. Donc, ça vous permet juste de voir des choses autour de vous, mais pas de vous projeter trop loin. C'est pour cela que dans Psaume 119, verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole prophétique est pour nous une lampe. Maintenant, si vous n'avez pas la parole prophétique, vous êtes complètement dans les ténèbres, dans l'ombre, dans l'obscurité la plus totale. Et vous ne savez pas où vous allez parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il tâtonne. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes tâtonnent et ne sachant pas où aller. Autre chose, la parole prophétique est la force des enfants de Dieu. La parole prophétique est la force des enfants de Dieu. Elle seule peut nous maintenir dans la foi, dans l'amour et l'espérance. La parole prophétique est la force des enfants de Dieu. Quand tu connais ton avenir, tu es fort, tu es certain. Tu ne trembles pas comme tout le monde. Je donne un exemple. Lorsqu'il y a un match de football qui vient de se réaliser, hein, un match, quelle équipe contre quelle équipe? Barcelone, Real de Madrid. Quand c'est comme ça, c'est chaud. Amen. Tout le monde est excité pour regarder. Admettons que le match a déjà pris fin. On connaît le score. Tout le monde connaît le score sauf toi parce que tu n'étais pas là. Et tu regardes maintenant le match en différé. Toi, tu seras excité. Mais moi qui connais déjà le score, quelle sera ma réaction? Je suis tranquille parce que je sais déjà la fin.
C'est ça la parole prophétique. La parole prophétique nous donne déjà la fin de, des choses. Donc on ne peut pas être excité. Donc quand je vois des chrétiens abandonner la foi, c'est déjà écrit dans la Bible qu'à la fin des temps, il y en a qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc ce n'est pas étonnant. Quand je vois des scandales aujourd'hui, on parlera rapidement, ça ne peut pas m'étonner parce que la Bible avait déjà prédit ces choses. Quand nous voyons des lois contre nature être votées, la Bible avait déjà prédit ces choses. J'ai vu des chrétiens prier, « Seigneur, s'il te plaît, que cette loi contre, sur l'homosexualité ne passe pas. » Dieu ne va pas exaucer cette prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que l'iniquité doit s'accroître. Amen. Donc, on perd le temps des fois à prier pour des choses. Non, prie plutôt que Dieu te garde. Amen, amen. Qu'il garde ta famille jusqu'au bout. Parce que ces choses iront de mal en pis. Le monde n'ira jamais bien tant que le prince de paix n'est pas encore venu. Et tout ça, c'est contenu dans la parole prophétique. Et pour nous, c'est un des, sont des signes qui nous aident à nous maintenir dans la foi. À ne jamais abandonner Jésus. À ne jamais quitter la foi. À ne jamais abandonner l'église comme aujourd'hui. Beaucoup abandonnent les assemblées. À être toujours assidus parce que nous savons où nous allons. Pierre dit « La fin de toute chose est proche. » Veillez afin de ne pas vaquer à la prière. Cela veut dire qu'à la fin du temps, il y aura des menaces spirituelles et nous serons de plus en plus tentés à ne plus prier. Donc, prions. Amen. C'est ça la force des enfants de Dieu, la parole prophétique. Ça va te maintenir dans la foi, ça va nous maintenir dans l'espérance. Quand bien même tout semble fini, tu dois continuer à espérer, comme Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en Dieu parce qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de le réaliser. Cela veut dire, en dépit de ce que je vois, des situations négatives, je continue à espérer en mon Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que j'ai la parole prophétique avec moi. Alléluia. Alléluia. Ça va jusque là? Est-ce qu'on peut continuer? Bien. Alors, la parole prophétique, vous notez, elle présente la fin des choses, la fin des événements. Elle présente la fin des choses, la fin des événements. Et une vérité que nous devons aussi savoir, c'est que dans la Bible, le un tiers de la Bible, des 66 livres que vous avez, est composé de la parole prophétique. La Bible accorde une place importante à la prophétie. Amen. Le un tiers de la, toute la Bible est composé de la parole prophétique. Alors, quelle doit être notre attitude? Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. La Bible dit ceci, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Donc le Seigneur nous parle ici de trois attitudes à avoir face à la parole prophétique. Ce qui va nous rendre heureux, même quand tout s'écroule autour de nous, quand les choses deviennent difficiles, parce qu'il a dit, sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les derniers jours, pardon, il y aura des temps difficiles. Et ça devient de plus en plus difficile. Des gens avec qui vous êtes aujourd'hui amis, demain ils se retournent contre vous, ils vous critiquent, ils deviennent de Judas. Ça fait mal. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, les choses sont en train de se dégrader. Des familles se divisent, voyez? Des frères et sœurs ne s'entendent plus. Des guises même, n'en parlons pas. Des divisions sur divisions, scandale à gauche, problème ceci, problème de finances, problème, je ne sais pas, dans la société. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. On a l'impression que le mal aujourd'hui prend de plus en plus de la place. Que le bien est en train de disparaître. Comme c'était le constat au temps des Aïe.
Isaïe va dire même la vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Où est la voix de la vérité aujourd'hui? Alléluia. Plus, tu ne sais plus à qui faire confiance. Les gens sont de plus en plus malhonnêtes. Et c'est ça les temps difficiles. Dans le couple, tu te maries aujourd'hui, 2 ans après, divorce. Temps difficile. Au point où maintenant, il y en a qui ne veulent plus se marier parce qu'ils disent, on ne sait pas si c'est la bonne personne ou pas. J'ai vu un papa, il avait 55 ans. Il dit, mais quand est-ce que tu vas te marier? Ah papa, dans ces derniers temps, on ne sait plus avec qui être. J'ai l'embarras de choix. J'ai dit, mais à 55 ans, tu vas te décider quand? Dans la tombe? Je peux le comprendre aussi parce qu'on voit de tout aujourd'hui. Les temps sont difficiles. C'est une réalité. Que faire pour ne pas passer à côté de la visitation? Observer la parole prophétique. Si les pharisiens avaient observé la parole prophétique, ils auraient cru en Jésus. Oui ou non? Ils auraient cru. Parce que tous les signes montraient que c'était lui. D'ailleurs, lui-même dira, il a dit. Il dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Vous voyez des œuvres, vous voyez des malades guéris, vous voyez des morts ressuscités. Et vous dites, non, ce n'est pas lui le Messie. Donc, vous savez, quand quelqu'un ne veut pas te croire, il ne te croira pas. Quoi que tu fasses. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien être appréciés de tout le monde. Oh, tu perds ton temps. Et là, ton voisin dit, apprécie ceux qui t'apprécient. Alléluia. Oh, moi, j'aime bien qu'on m'apprécie. Le jour où tu vois quelqu'un parler mal de toi, tu ne dors même pas. Écoute-moi, même Dieu a un ennemi. Et toi? Je parle à quelqu'un ici. On n'attend pas que tout le monde t'aime. Amen. Je vais te dire une vérité. S'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, Dieu écoute, Jésus m'aime. Et j'ai aussi des gens qui m'aiment. Alléluia. C'est pourquoi tu es un bon endroit. Ici, à cette présentation, on s'aime. Dis à ton voisin, ici, on s'aime. C'est pas dans les paroles, et en vérité. Dis, ici, on s'aime. Personne. Quelqu'un vient me voir. Il y a des personnes à l'époque. Oh non, pasteur, toi tu fais confiance à tout le monde. Tu connais l'état d'âme de ces gens. On fait des agapes ici. Il faut prier quand même pour ces choses-là. J'ai des coûts. Quand toi tu vas au restaurant, tu connais l'état d'âme des gens qui cuisinent là-bas. Mais tu manges, non? On va amener quoi? On va amener quoi à l'église? La division. Comment on appelle ça? La méfiance. Et quand il y a méfiance, il n'y a plus l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je t'aime. Amen. Non, tiens-le comme ça, dis, je t'aime. Ah, non, non, touche-le encore, dis, je t'aime. Ah. Et le diable veut aussi convaincre que c'était chrétien. Tu as vu, non, tu es venu, personne ne t'a dit bonjour. C'est là, toi. Et puis, toi aussi, tu rentres. Ah ben oui. Il n'a pas dit bonjour. À quoi il n'a pas dit bonjour? Donc, il y a des gens qui ont des... Vous les voyez ici. Mais dans leur tête, ils ont des calculs mentaux. Des logiques. Il a appelé le pasteur. Le pasteur n'a pas répondu parce qu'il est occupé. Et puis, par hasard, le pasteur a oublié de le saluer. Donc, vous voyez? Donc, comme je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Là, il me voit. Il ne me salue pas. Donc, amen, amen, amen. Il y a des gens qui sont là, mais ce sont des Ivoiriens. Pas la nationalité ivoirienne, mais il t'a pas vu. Alléluia. Heureux ceux qui lisent. Dis avec moi, je dois lire. Prends le temps de lire la prophétie biblique. Prends le temps de lire la parole prophétique. Parce que tu ne connaîtras pas les choses qui vont arriver si tu ne lis pas. Lire ici, c'est aussi être attentif. Deuxièmement, il dit, heureux ceux qui entendent. Dans le mot entendre, je peux voir la compréhension. Parce que tu peux lire sans comprendre. Tu
comprendre ce que Dieu dit par rapport à la fin des temps. Alléluia. Comprendre par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre esprit pour comprendre la parole de Dieu. Même les apôtres qui étaient autour de Jésus, quand les choses concernant Jésus se sont accomplies, n'ont pas compris. Jésus leur est apparu aux disciples qui allaient à Emmaüs, mais ils ne l'ont pas vu. Ils s'entretenaient avec eux, Et puis à la fin, Jésus-Christ va rompre le pain, il va partager le poisson qui était là. Et a dit, et aussitôt, leurs yeux s'ouvrent, ils vont reconnaître que c'était Jésus. Et Jésus va leur dire, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais autrefois avec vous, qu'il fallait que s'accomplissent les choses qui ont été écrites de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Que le Fils de Dieu devait venir et devait souffrir pour le péché de l'humanité. Il allait être livré à la mort. Et le troisième jour, il allait être ressuscité d'entre les morts. Et la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin que le Saint-Esprit ouvre notre esprit afin de comprendre la parole prophétique pour ne pas passer à côté de la visitation divine. Alléluia. Je n'aimerais pas passer à côté. Parce que je n'ai pas été attentif. Seigneur, ouvre mon oreille pour que j'entende. Oh, j'aime cette parole. Dans le livre de Ésaïe, j'aimerais vous donner, partager avec vous. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 50, le verset 4 à 5. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe 50, verset 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Oh, dis avec moi, Seigneur, éveille mon oreille. Dis encore, Seigneur, éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Tu ne peux pas être un disciple et être têtu. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes des chrétiens, on écoute la Bible, mais nous sommes têtus. On écoute, mais on ne met pas en pratique. Éveille pour écouter comme écoutent les disciples. Et le verset 5 il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un aujourd'hui et de ceux qui nous suivent via Facebook. Que Dieu ouvre tes oreilles pour écouter comme écoutent les disciples, pour connaître le plan de Dieu pour ta vie et par rapport à ce temps précis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il y a une nourriture pour chaque temps. Amen. Et troisième attitude à avoir, garder. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui y sont écrites. Il faut garder. Garder ici veut dire aussi mettre en pratique. Heureux ceux qui gardent. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Amen. Et quand on dit la Bible dit heureux, cela veut dire que la prophétie biblique ou la parole prophétique est source de notre bonheur en tant que chrétien. Amen. Source de notre bonheur. Alors, vous noterez qu'il existe deux types de prophéties. Deux sortes de prophéties. Et nous le retrouvons aussi dans la prophétie biblique. La première sorte, c'est ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles. Les prophéties conditionnelles. C'est quoi les prophéties conditionnelles? Les prophéties conditionnelles sont celles qui sont soumises à des conditions. C'est des prophéties qui sont soumises à des conditions. Cela veut dire que pour voir l'accomplissement de ces prophéties, il vous faut faire quelque chose. Il vous faut obéir, mettre en pratique. Je m'explique. Quand vous lisez par exemple Deutéronome chapitre 28, dans Deutéronome 28, la Bible nous parle de plusieurs choses que Dieu promet à ses enfants. N'est-ce pas? Il dira ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les choses qui seront attachées à toi ou encore les bénédictions qui vont s'attacher, t'accompagner. Si tu obéis, Dieu dit, je te bénirai, n'est-ce pas? Je te bénirai dans la ville,
Ta cruche sera bénie, n'est-ce pas? Ton champ sera béni. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son beau trésor, le ciel, et il enverra la pluie en son temps, n'est-ce pas? Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire, quand tu obéis à Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction. Alors, d'où vient que toi, tu poursuis la bénédiction? Dieu t'a jamais dit, poursuis la bénédiction. Il dit, toi, poursuis les intérêts du royaume. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les bénédictions que les païens recherchent, Dieu te le donnera en... par-dessus tout. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant, nous, nous courons, nous suivons, nous cherchons à gauche, à droite. Non, il y a des choses que le monde cherche, que les chrétiens ne doivent pas chercher. Amen. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est ça ta priorité. Et la première des choses que je dois faire, je dois d'abord chercher le royaume. À satisfaire au cœur du Père. Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste? Ensuite, les restes des choses viennent après. Donc, ces prophéties, qu'on appelle des prophéties conditionnelles, dépendent de votre obéissance. Tu obéis, tu vois, tu n'obéis pas, tu ne vois pas. Tu obéis à la loi de la dîme, Dieu te bénit, te rend prospère. Tu n'obéis pas, il te sert. Ah oui, même si tu dis pas amen, c'est la vérité. I don't care. Yeah. Alléluia. Tu ne donnes pas ici, tu vas donner ailleurs. Tu donneras, ça partira. Panne de voiture, problème qui va surgir, les impôts qui vont sortir de nulle part. Le temps que tu cherches à les convaincre, ils ont déjà débité. N'est-ce pas, non? Ils ont déjà tout pris. Tu dois donner. Alléluia. Tu veux aller au ciel? La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, qui que tu sois. On ne voit pas Dieu parce qu'on est pasteur, parce qu'on a un titre. Non, c'est parce qu'on mène la vie de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, il y aura des surprises. Ah oui, Jésus a dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Alléluia. Quand on obéit, on voit les résultats. Donc ces prophéties dépendent de notre obéissance pour leur accomplissement. Il y a des choses qui dépendent de notre obéissance pour qu'elles s'accomplissent. La deuxième sorte de prophétie, c'est ce qu'on appelle les prophéties inconditionnelles. Et les prophéties inconditionnelles ne sont pas soumises aux conditions humaines. C'est-à-dire leur accomplissement ne dépend pas de ton obéissance. Leur accomplissement dépend du décret de Dieu et du plan de Dieu. Volonté parfaite ou permissive. En moi, Dieu le permet. Alléluia. Pour vous aider à comprendre ça, c'est comme si vous vous levez un matin, tu dis, moi aujourd'hui, oh Seigneur, tu dois exaucer ma prière. Je prie aujourd'hui, rebobouchaka, la nuit ne doit pas tomber. Rebababakanda. Tu seras choqué de voir qu'il va faire nuit. Oui ou non? Pareil, il y a des prophéties inconditionnelles. Quoi que tu fasses, ça va arriver. Quoi que tu fasses, la marque de la bête bientôt sera visible. Ils sont déjà en train de préparer les gens à ça. Où les gens ne peuvent ni acheter, ni vendre. C'est pourquoi si Dieu vous bénit, ne laissez pas votre argent dans les banques. Je n'ai rien dit. Korobo Shandara Bashaka. Habakkuk chapitre 2. Versets 3 à 4. Mardi prochain. Rendez-vous mardi prochain. Alléluia. Amen. Il y a tout un système impie qui se met en place.
depuis déjà très longtemps. Vous savez que les banques, ceux qui sont à la base, c'est plus des grandes familles. Voilà, qui sont dans des sphères compliquées. D'accord? Parce qu'on est suivi en direct, donc on fait attention. Habacuc chapitre 2, versets 3 à 4. Dieu dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc ça veut dire que c'est une prophétie inconditionnelle. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie que tu pries, que tu ne pries pas, que tu ne jeûnes pas, ça va arriver. D'accord? Et il y a beaucoup de prophéties dans la Bible ainsi qui vont s'accomplir. Nous sommes en train de voir certaines aujourd'hui. Si nous avons les lunettes du Saint-Esprit, nous pouvons voir les choses qui se passent actuellement. Mais beaucoup d'autres sont à venir. J'étais en train de prier, je demandais à Dieu par rapport à ce qui se passe. J'ai vu un peu ce qui s'est passé en Libye, tout ça. Le Seigneur m'a donné un texte, on aura l'occasion d'en parler. Si vous avez le temps, lisez Apocalypse 18. Apocalypse 18, on nous parle d'une des spécificités de Babylone. On parle de la vente d'âmes. Babylone vend les âmes. Lisez ça. Rien de nouveau sous le soleil. Et cette même Babylone sera jugée. Et la Bible dit d'Apocalypse, elle est tombée, Babylone la grande. La mère de toutes les prostituées. Et dans Apocalypse 17, on la présente comme étant cette femme qui est assise sur des grandes eaux. Et non seulement sur des grandes eaux, elle est également cette femme assise sur une bête écarlate. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Écris la prophétie. Aide-moi à dire à ton voisin, lis la Bible. Dis-lui encore, lis la prophétie. Amen. Amen. Tu vois que quand tu vas lire ces choses, tu ne seras pas inquiet. Ah, là-bas, on a enlevé les enfants. Là-bas, on a fait ceci. Ça va se multiplier. Le terrorisme. Quand tu regardes ce qui se passe avec ce mouvement de terrorisme, de Daesh, de Boko Haram, et ainsi de suite, je t'assure, si tu suis ça à la loupe, tu vas plus jamais prendre l'avion. Oh! Mon ami, tu es dans l'avion, tu ne sais pas. Oui ou non? Non, l'avion, je vais encore loin. Le train, là, tu ne vas plus le prendre. En gros, tu vas vivre dans une psychose. Tu vas être là. Mais quand tu connais ces choses... Tu connaîtras aussi la même Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La même Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les arrase. C'est-à-dire quand je suis dans un endroit où quelque chose de négatif doit se produire, quelque chose va se passer. Dieu va m'arracher de ce lieu-là et va m'amener ailleurs. Donc du coup, tu n'as plus d'inquiétude comme tout le monde. La Bible dit, le monde tremble, le monde des nations sont dans l'agitation. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, affermie, elle ne chancelle point. Et vous avez des chrétiens aussi qui commencent à vivre dans la psychose. Non. Alléluia. Alléluia. La prophétie biblique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Alors, regardez les caractéristiques de la prophétie biblique. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous voyons quelques caractéristiques. Je continuerai mardi prochain, si Dieu le permet. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. La Bible dit une chose. Nous tenons plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors, quelques caractéristiques de la parole prophétique. Vous pouvez noter la première caractéristique, c'est que la parole prophétique est certaine. Elle est certaine. Qui dit certaine veut dire aussi digne de confiance, digne de foi. Dans aucune religion, vous verrez des gens prédire l'avenir.
La seule chose qu'ils peuvent prédire dans certaines religions, toutes les religions attendent un Messie. Tout ce que, voilà, les bouddhistes attendent leur Messie, les musulmans attendent l'imam Mahdi, je ne sais plus, eux tous. En réalité, quand vous regardez bien, il est question de l'homme impie, en fait. L'antichrist dont la Bible parle. Amen. Mais mis à part ça, aucune. Mais quand vous regardez la Bible, vous allez voir, la plupart des professions étaient données. La plupart, quand vous lisez l'histoire, se sont accomplies dans le temps. Et d'autres continuent encore à s'accomplir. Je donne un exemple. Quand dans Matthieu 24, Jésus sort du temple, les disciples le présentent à les belles, je dirais, la beauté du temple, tout ça. Jésus regarde, il leur dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Vous savez, cette parole pour un juif, c'est un scandale. Parce que le temple, quand vous lisez, quand vous faites des estimations, le temple que Salomon avait bâti, si on doit l'estimer aujourd'hui, ça coûtait plus de 1 milliard de dollars. Je pèse bien mes mots, plus de 1 milliard de dollars. Avec tout, l'or, tout ce qui avait été utilisé. Et ce temple avait été détruit par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Et ça a été reconstruit dans le temps de Zorobabel. Hein, Zorobabel, Josué, Agé, Néhémie, Esdras. C'est pendant ce temps-là qu'il y a eu la reconstruction et du temple et des murailles. Et par la suite, lorsque le royaume, l'empire médo-perse, l'empire grec se sont effondrés, l'empire romain est entré au pouvoir, un des rois, c'est ce qu'on appelait Hérode, avait embelli le temple. Il avait rendu encore le temple plus joli. Mais dans ce temple, il y avait la beauté, mais il n'y avait plus le cœur du temple, c'est-à-dire la gloire qui devait résider dans le temple. Vous comprenez un peu? Quand il n'y a plus la gloire, tout ce qu'on fait, c'est vide, c'est zéro. Vous comprenez? Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, mais votre espérance est là, mais en réalité, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il voulait montrer que le véritable temple, ce n'est plus ça que vous voyez à Jérusalem, c'est maintenant moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis il dit qu'il ne restera plus ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les gens l'ont pris pour un fou, mais cette prophétie s'est littéralement accomplie. En l'an 70 de notre ère, sous le général Titus, qui était venu attaquer Jérusalem, le temple a été incendié. Et quand vous allez à Jérusalem, jusqu'aujourd'hui, il ne reste qu'un mur qu'on appelle le mur de lamentation. Il n'y a plus de temple. La prophétie a été accomplie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, elle est vraiment digne de confiance. La même Bible qui avait dit Jésus viendrait, n'est-il pas venu? Il est venu. Mais le même Jésus est monté comment? Du ciel, plutôt de la terre au ciel, dans les nuées, n'est-ce pas? Il montait, les disciples étaient là en train de le regarder, et les anges sont apparus pour dire non, le Jésus que vous avez vu allant au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il reviendra de la même manière. Maintenant, pourquoi les gens veulent nier qu'il revient? Parce que même les chrétiens ne prêchent plus le retour de Jésus. Parce que si tu n'es plus conscient de son retour, cela veut dire que tu rentres dans une distraction. Le retour de Jésus te maintiendra dans une vie de sainteté, de pureté, de consécration. Le retour de Jésus ne dit plus, ne te dit pas, ne va pas à l'école, ne travaille pas, n'investis pas. Ce n'est pas ça. Mais dans tout ce que tu fais, sois prêt. Amen. Amen, amen, amen. Je suis conscient que Jésus revient, mais je continue à travailler. Parce que quand il reviendra, il trouvera les gens dans les champs. Il n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre les études. Mais il est contre les personnes qui seront distraites. Les vierges folles qui ne maintiennent pas l'huile dans leur lampe. On a vu que la parole, pour pouvoir le voir, c'est une lampe. Et cette lampe a besoin d'être entretenue par l'huile. Une vie de communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia, elle est certaine. J'aimerais aujourd'hui que tu sois et que cela soit établi dans nos cœurs, que la parole de Dieu, qui contient plus d'un tiers de la prophétie biblique, elle est certaine, elle est digne de confiance. Dieu ne ment jamais. Il est impossible à Dieu de mentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Amen. Quand vous regardez, rien qu'une tempête, rien qu'un ouragan peut dévaster tout un pays. Qu'est-ce qui manquera à Dieu de détruire l'humanité? Vous savez, l'homme est tellement limité, il est tellement bas qu'il pense que le grand Dieu, c'est un Dieu redoutable. Transposez-vous un peu au temps de Noé. Il a détruit toute la terre. Il est Dieu.
Il est le créateur. Il peut nous décimer tous et créer des gens meilleurs que nous. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? C'est pourquoi tu dois bénir Dieu pour la grâce qui t'a fait d'être sauvé. Amen, 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 amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc la parole prophétique, elle est certaine. Elle est digne de confiance. Deuxième chose, je vous donne quelques... on va aller rapidement à cause du temps. Deuxièmement, la parole prophétique est une lampe qui brille. C'est une lampe qui brille. Et là, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 25. On nous parle des 10 vierges. Et ces vierges, qui étaient 10, elles attendaient, elles devaient aller à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et les sages, lorsqu'elles ont pris des lampes, elles ont pris en réserve de l'huile. Et les folles, lorsqu'elles sont parties, elles ont négligé de prendre de l'huile. Et avec le temps, leur lampe a commencé à s'éteindre. C'est-à-dire, pour que la parole prophétique soit maintenue en nous, nous avons besoin de l'huile. Et l'huile, c'est d'abord l'image du Saint-Esprit, mais l'huile, c'est aussi notre communion, notre intimité que nous devons avoir avec le Seigneur constamment. Alléluia. Que rien ne nous sort de cette intimité. Non, rien. C'est cette huile qui va permettre à ce que cette lampe brûle en toi. Tu peux la connaître, mais elle ne doit pas être en dehors de toi, elle doit être en toi. Lorsqu'elle est en toi, avec l'huile, la communion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La communion avec Dieu, l'obéissance à Dieu, ça permet à ce que cette lampe continue à brûler en toi. Quand bien même tout s'écroule autour de toi. Frères et sœurs, tu n'es pas tout le monde. Lot était dans une génération perverse et corrompue. Lot n'était pas devenu homosexuel. Même si dans sa génération, tout le monde était homosexuel. Donc ne dis pas tout le monde fait ça. Ça, c'est un langage de lâche. Tu n'es pas tout le monde? Est-ce que moi je suis monsieur tout le monde? Non, j'ai une identité. J'ai des amis avec qui on a commencé la foi. Aujourd'hui, ils ont abandonné. Ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné que moi je vais abandonner. Chacun sait d'où il vient et où il doit aller. Amen. Devant le Seigneur, je serai seul. Mon ami ne sera pas là. Amen. Là, je parle pour ceux-là qui aiment la masse. Ils ont la foi de masse. Non. La foi est personnelle, individuelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme, ma femme peut abandonner la foi. Je ne peux pas abandonner la foi. Ton mari peut abandonner la foi, mais toi, n'abandonne pas la foi. Et c'est cette fermeté, cette assurance que nous devons avoir. Que jamais ma lampe ne s'éteigne. Le Seigneur a reproché l'église de c'était l'église d'Éphèse. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Frères et sœurs, garde le chandelier. Veillez sur le chandelier plus que tout. Cette présence de Dieu doit être la chose que tu chéris la plus, le plus dans ta vie. Que recherches-tu? Quelle est ta motivation? Est-ce Dieu ou les choses de la terre? Est-ce Dieu ou les choses que Dieu donne? Parce que Dieu nous donne, il nous bénit. Mais nous nous accrochons plus à ce qu'il nous donne qu'à lui-même qui est la source. Amen. La source peut te donner et reprendre, comme Job. Quand il a repris, il a dit, je bénis Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous aimons, l'Éternel a donné. Le jour il reprend, ah ben non, ça c'est bizarre, je ne comprends pas, ça c'est quelle vie chrétienne. Oh, c'est le même Dieu, il est souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comment il veut, il n'a pas besoin d'explication. Va le comprendre. C'est vrai, à l'époque, quand on s'est fait cambrioler ici, une soeur vient me voir et dit, pasteur, il fallait avoir la révélation. Dieu t'a pas montré qui a volé. Et si toi, tu sais, aide-moi. Moi, j'ai pas la révélation. Parce qu'on pense qu'on sait tout. On sait pas tout. Il y a un voleur. Il a volé. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Il a volé. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain, il peut permettre le malheur. Aujourd'hui, quand un malheur arrive, tout de suite, on dit non, c'est bizarre. Qui t'a dit que c'est bizarre? Le malheur atteint souvent le juste. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Mais l'Éternel rendait libre toujours. Parce qu'une maladie, tu sais, tiens, pas une maladie tout de suite. Ah, certainement, il a péché. Hein, parce que c'est ça les chrétiens. Surtout les chrétiens trop spirituels. Ils n'ont plus de cœur. Les chrétiens trop spirituels, ils analysent tout. À la loupe.
Donc c'est parce que si le frère n'arrive pas, si la sœur, elle n'arrive pas à se marier, donc il y a un lien. Qui t'a dit que tous les célibataires ont les liens de célibat? Et on en fait tout un message. Et ça entraîne des foules. Les liens de célibat, nous allons couper, nous allons casser, nous allons... Et comme on aime ça, et puis on vient, on s'excite, on s'excite, on s'excite, et les situations ne changent pas. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux prêcher ce soir? J'arrive à la fin. Ah! Viens avec moi. Ah! Come on. Et quand tu as la parole prophétique, tu es calme. Les choses bougent à gauche, à droite, sois calme. Tu dis comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Quand bien même ma chair sera consumée, en ce jour-là, il se levera. Ça, c'est la parole prophétique. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et cette lampe brille, troisième caractéristique, dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est quoi? C'est le monde. Ça, c'est la troisième caractéristique. Le lieu obscur, c'est le monde. Le monde est dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la domination du malin. D'ailleurs, on appelle le diable le prince de ce monde des ténèbres. Amen. Dans Romains chapitre 13, le Seigneur Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Donc, dans l'horloge de Dieu, il est nuit. Je dirais même, il est minuit. Vous voyez? Quand tout le monde voit, c'est beau, c'est bien. On est en Europe, on est en Occident, des belles constructions. Mais quand Dieu voit l'état spirituel et moral, Dieu voit la nuit. Parce que le jour, c'est lorsque nous suivons Jésus, le soleil levant, le soleil de la justice. Mais la nuit, c'est lorsque les gens suivent le mal. Et le mal est en train de prendre, gagner du terrain. On enseigne aux enfants le mal à l'école. Le mal à l'école. Vous comprenez un peu? C'est grave, très grave. La nuit est avancée. Ça brille dans un lieu obscur. Et il dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Le jour qui va apparaître, quatrième caractéristique, l'avant-dernière. Le jour qui doit apparaître, d'après le 2 Pierre chapitre 1, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Qu'on appelle également le jour de Jésus-Christ. Faites la différence entre le jour de Jésus-Christ et le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu va venir pour juger le monde. Mais le jour de Jésus-Christ, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il y a deux choses. La Bible parle du jour de Jésus-Christ, d'accord? Et la Bible parle également du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu va venir juger le monde. Quand il va entrer en compte pour juger le monde. Dans ce que la Bible appelle les sept coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 10, 16 en parle. D'accord? Mais le jour de Christ, c'est le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, la parole prophétique doit brûler jusqu'au jour où la septième trompette doit sonner. Et tous les chrétiens du monde entier, où qu'ils soient, nous sommes nuit maintenant. Mais en Australie, ils sont déjà le matin. Donc quand Jésus viendra, il y en a qui vont dormir, il y en a qui seront au travail. Ah oui? À cette époque-là, Jésus voyait déjà le fuseau horaire. Il y a des chrétiens ici, il y en a qui seront déjà de l'autre côté de l'Australie. Il est 21h, aux États-Unis, ou je ne sais pas, au Canada, vers Montréal, tout ça, il est 15h. On n'a pas du tout la même heure. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde est grand, il est vaste. Bientôt ce jour-là arrive. Frères et sœurs, personne ne connaît le jour ni l'heure. Il se peut qu'on est là en bas, Seigneur, le projet, Jésus vient nous chercher avant. Eh bien moi, je préfère partir avant, même si le projet ne se réalise pas. Amen. Tu veux t'accrocher à quoi? Au projet ou à Jésus? Parce qu'il y a des gens, Seigneur, attends un peu que je me marie. Hein, Jimmy?
Jésus ne revient pas encore. Là, ce sont les prières des célibataires. Attends d'abord que je me marie. Comme ça, une fois marié. Alléluia. Jésus revient. Frères, sœurs, n'oublions jamais cette vérité. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Et cette étoile, et plutôt cette lumière, doit briller jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et la Bible dit, dernière caractéristique, et nous terminons là, jusqu'à ce que l'étoile brillante, l'étoile du matin, pardon, se lève dans vos cœurs. Cinquième, l'étoile du matin doit se lever dans nos cœurs. Et quand on parle de l'étoile du matin, la Bible parle de Jésus-Christ. L'étoile du matin dont il est question, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 16, je veux lire. Apocalypse 22, 16, il est dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Apocalypse 22, verset 16. Jésus dit que je suis l'étoile brillante du matin. Donc l'étoile brillante du matin qui va venir couronner la parole prophétique pour l'accomplir. Parce que toutes les prophéties sont oui et amen. L'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. Et là, ça sera la fin. Et nous partirons dans la gloire éternelle, dans la félicité. Alléluia. Et vous verrez, si vous lisez Daniel 9, 1 à 3, Daniel qui était prophète, il lisait la parole prophétique. Si Daniel a su qu'il y avait 70 semaines qui étaient données à Israël pour la captivité, il a su parce qu'il avait lu les écrits de Jérémie. Vous les lisez dans Daniel 9, 1 à 3. Les prophètes annoncent toujours les prophètes. Et on l'a vu même dans les signes. On a vu, Abraham a annoncé Joseph. Joseph a annoncé Moïse. Moïse a annoncé Jésus. Jésus a annoncé ses fils et ses filles, l'Église. Les signes de la visitation. Pareil, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la prophétie, chaque prophétie annonce une prophétie. Et dans le temps dans lequel nous sommes, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons la confusion. Nous remarquons l'amour qui disparaît. Nous remarquons la trahison, nous remarquons la haine, les compétitions, les déceptions, l'iniquité qui est en train de s'accroître. Plusieurs sont en train de succomber. Hier, il y avait des chrétiens avec qui on s'est convertis, ils étaient tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, ils ne veulent même plus entendre. Et c'est plus difficile encore, parce que quelqu'un qui a connu la voie chrétienne, qui a même prêché l'évangile, quand il abandonne, il retourne dans le monde, il devient plus difficile à convertir. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Tu dis ça, oh mais je connais, la Bible dit ça. Il te démontre même. C'est un esprit d'aveuglement, un esprit d'égarement. Hébreux 6, 4, il dit, il est impossible, après ceux qui ont été déjà éclairés autrefois, qui ont goûté au don de Dieu, qui ont abandonné, qu'ils soient à nouveau renouvelés. Impossible. Que ce ne soit pas mon cas. Imaginez, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit, nous tous qui sommes là, serviteurs, servantes de Dieu. Ce n'est pas un sujet de gloire d'être devant. Parce que tout ce que tu prêches, tout ce que tu annonces, tu seras tenté par rapport à ça. Alléluia. Tenté par rapport à cela. Tiendras-tu ferme? Aujourd'hui, on peut crier avec beaucoup de force, de véhémence. Dans 10 ans, si Jésus ne revient pas, serons-nous toujours dans la ligne? C'est ça la grande question. C'est la fin qui compte, pas le commencement. Regardez même, quand le match de football est là, il y a un joueur qui vient d'entrer là, on dit, bon, on sort tel joueur, l'autre. Et quand il entre là, tu as l'impression que c'est celui qui va sauver le monde. Il est tout feu, tout flamme. Mais le problème n'est pas là, c'est la fin. Alléluia, alléluia. Le but de mon message ce soir, c'est pour nous conscientiser, de tenir compte de tous ces signes et de ne jamais passer à côté. Alléluia, ne jamais passer à côté. Que Jésus ne pleure pas sur nous pour dire, si tu avais connu le temps de la visitation. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu pleures, tu pries, tu cries à Dieu. Mais le jour où Dieu commence à t'exaucer, souvent, quand il commence à t'exaucer, tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu qui t'exauce. Parce que nous avons une manière de nous attendre
à l'exaucement. C'est comme les enfants d'Israël, ils attendaient le Messie. Maintenant le Messie vient, la Bible dit la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Tu pries, mais quand Dieu dit maintenant je t'exauce, tu passes à côté. Que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas. Nous voulons incliner nos têtes à la prière. Alléluia, j'aimerais que tu pries pour toi-même, pour ta vie. Merci frère Sylvain, tu peux nous accompagner avec juste un cantique. Prie pour ta vie, prie pour ma vie. Que le Seigneur nous aide. Le but aujourd'hui de cet enseignement, c'est que Dieu nous aide. Qu'il t'aide, qu'il m'aide. Qu'ensemble, nous puissions saisir. Alléluia. Père, aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur. Ce soir, cette voix retentissait dans mon cœur encore ce matin. J'aimerais que la parole prophétique, j'aimerais m'y attacher, la lire, l'entendre et la garder dans mon cœur. Je prie pour toutes les personnes qui suivent ce message et qui vont le suivre via les médias, que tu puisses aider chacun d'entre nous. Garde-moi fidèle à toi. Garde-nous, Seigneur, fidèle à toi. Je ne veux pas que ce jour-là que tu dises, méchant serviteur, va dans le feu de la gêne. Je ne mérite pas entendre cette voix. J'aimerais que tu dises de moi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et j'aimerais entrer dans ce lieu de félicité éternelle. Demeurer là où tu es dans ta présence. Et pour toujours et pour l'éternité. Que cette parole retentisse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et purifie nos âmes. Sanctifie-nous. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Waouh. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Vendredi, nous sommes là pour notre culte de prière. À partir de 18h déjà, c'est l'intercession. Les paniers des offrandes sont là. Pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes, vont déposer. Ou le projet achat, là au milieu, nous déposons. Et puis samedi, nous sommes là pour le mariage de bien-aimé Jimmy et Merveille. La bénédiction nuptiale qui aura lieu ce samedi à partir de 13h. Donc soyez là déjà à 12h30 au plus tard, parce qu'à 13h pile, nous démarrons ensemble. Amen. Et le dimanche, notre culte le matin, et nous aurons la grâce et le privilège d'avoir le prophète Ngawana l'après-midi, qui sera avec nous pour le programme des grands jeunes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et que la semaine soit fructueuse au nom de Jésus-Christ.